Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui les lunes, je m'attends vraiment des rêves, et nous serons vous finis de voir Batester. Si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechati, à Mot Perek Yud Gimel Mishnah Zayn, Shnei Achim Nesuin Yeshtei Achayot, c'est au Mot Ktanot. Ou met Ba'ala, Shalachat Men, Tetse Meshum Achot Isha. Vechen, Shtei, Chereshot, Gdola ou Ktana, met Ba'ala Shal Ktana, Tetse Ktana Meshum Achot Isha. Met Ba'ala Shal Gdola, Rabbi Eliezer Omer. מלמדים את הקטנה שתאמן בו. רבן גמליאל אומר, אם מענה, מענה, ואם לאו תמתין עד שתגדיל, ותצא לזו משום אחות אישה. רבי יהושע אומר, אוי לו על אשתו, ואוי לו על אשת אחיו. מוצא את אשתו בגט, ואשת אחיו בחליצה. כמו נותנים לו שפיתו, הוא קונטיניה פרלי, דה נישואי קטנה. סוואה, תירפל, מן התורה, לא עוסקין פוטית, לא אינו אמפר, את אונדרואה דה מריה ספי, דה מואן דה דוזן. תנקל פוטית, אלא מרי. Et d'accord, c'est dans le droit du père. Lorsque la fille n'a plus de père, alors personne n'hérite de ce droit de marier la fille. En l'occurrence, elle devrait rester en théorie, elle ne pourrait pas se marier jusqu'à l'âge de 12 ans moins. Le problème, c'est que Rami m'ont décrété que si on va laisser une petite fille comme ça, elle n'a pas de papa pour la défendre, elle va être abusée toutes sortes de personnes malsaines vont s'amuser avec elle. Donc, du coup, Rami ont instauré des kiddushin, des nisuin, mais des rabanan. Mais des rabanan, on va pouvoir la marier. C'est ce qu'on a appris dans tout notre chapitre. Comment ça se passe? Il faut son consentement de la petite. Et c'est sa mère et ses frères qui sont responsables de lui trouver un mari. Avec, à part ça, la possibilité, lorsqu'elle grandit, qu'elle atteint ça, juste avant qu'elle atteigne sa majorité, c'est-à-dire à 12 ans, à l'âge de 12 ans, juste avant qu'elle commence à devenir maintenant adulte, alors elle sera en droit de refuser. Elle peut même refuser avant si elle veut, mais jusqu'à cette date-là, elle pourra refuser le mariage. Et refuser le mariage, ça a l'avantage de déraciner rétroactivement. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle n'a jamais été mariée. C'est le principe essentiel, et de nouveau, il va revenir dans notre Mishnah sous trois aspects. Trois avis dans la Mishnah, comment considérer ça? On commence avec le cas le plus simple. Il y a deux frères, Shnei Achim, Nesuin Neshtei Achayot, Yetomot Ktanot, deux frères mariés à deux sœurs, orphelines, petites, d'accord? Il y avait deux sœurs de Rachel et Sarah, 9 ans et 10 ans, elles ont perdu leur papa, il y avait on les a mariés avec les deux frères, deux voisins, pourquoi pas? Je sais pas si on a introduit le truc, mais... À l'époque, on se mariait même avec des petites filles. Elles entretenaient aussi des rapports avec elles. Il n'y avait aucun problème de pédophilie ou n'importe quoi. La pédophilie dans la Torah, c'est surtout les hommes ensemble, même quand ils sont adultes. Bon, enfin, c'était inutile de le préciser, j'espère, quoi, que vous avez compris qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Donc, en tout cas, ils se mariaient. On a pris maintenant deux frères. Reuven et Shimon sont mariés avec Rachel et Sarah. Ces kiddushin ne sont que. Ce mariage-là n'est que mis des rabbanan. Alors, là, ce qui va se passer maintenant. Dans notre Mishnah, ça va être, qu'est-ce qui se passe si maintenant il va y avoir un cas de Yiboum? Est-ce qu'on fait le Yiboum, est-ce qu'on ne fait pas le Yiboum? Parce qu'en fait, Minatora, elle n'est pas considérée comme une vraie sœur, comme une vraie femme. Mais Midrabanan, oui. Alors regardez comment ça se passe. Tout d'abord, premier cas, Reuven et Shimon sont mariés à Rachel et Sarah et Léa, que Midrabanan, parce qu'elles n'ont pas de papa, elles sont mariées que Midrabanan. Va mettre Balash à Achadmen, s'il y a eu le mari... de l'une qui est décédée, eh bien, Tetsé Mishum Achotisha, elle pourra directement repartir se marier avec n'importe qui, comme le statut de la sœur de la femme. Midrabanan, sa sœur, c'est ça, c'est aussi sa tsara, sa co-épouse, maintenant sa préposée. Donc du coup, elle n'a pas besoin de faire le hiboum ni khalitza. Ok? De même aussi, Vranishtei Chereshot, de même aussi pour deux femmes sourdes. Pour rappel, des sourds, ils ont le même statut que le fou, qui n'a pas de conscience, il n'a pas de jugeote. Et Chachamim ont décrété de nouveau pour les sourds, que même lorsqu'elles sont adultes, Midoraita, on ne peut pas les marier. On ne peut pas les marier parce que elles n'ont pas de date pour se marier. Chachamim ont dit, alors là, si on va les laisser, elles traînent dans le quartier, Khalila, ça va être la catastrophe. On va décréter aussi que les sourds peuvent se marier. Midrabanan, elles ont essayé, ça fonctionnera. À la différence des fous, on en reparlera, il y aura un chapitre entier, je crois, le prochain chapitre, ce sera justement sur ça.
D'accord? Ouais, très riche. On va parler ça longuement dans le prochain chapitre. Donc pour le moment, donc les sourds aussi, les sourds. On a décrété aussi que Midrabanan, ils pourront aussi se marier. Même principe, donc si deux frères sont mariés avec deux sœurs, il y en a un qui décède, l'autre fera le hiboum. Maintenant, si Agdola ou Ktana, les deux frères sont mariés aux deux sœurs, mais Réhouven, il est marié à Rachel, la grande en l'occurrence, qui est Midoraita. Elle était adulte quand ils se sont mariés. Par contre, Shimon, son petit frère, qui était lui-même adulte, bien sûr, il s'est marié avec Léa, qui n'était pas encore adulte. Alors là, qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un des deux frères qui décède? Alors la Mishnah me dit, écoute, met ba la shaltana, si d'abord c'est le mari de la petite qui décède, donc c'est Shimon qui décède dans Réhouven, dans ce cas-là, sa femme Léa, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, parce qu'elle est considérée comme la sœur de c'est la Yevama qui est préposée, en fait, au frère qui est marié à sa sœur. Donc, Tetsektana, Meshumachotisha, la petite sœur qui est mariée que Midrabanan, sera directement permise, étant donné qu'elle a été mariée que Midrabanan. Midrabanan, on considère que cette fois-ci a un statut de Tsarat Erva. Pour le moment, c'est simple. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est le contraire? Met Baala Shalgdola. C'est-à-dire qu'en fait, on a Shimon, le frère, qui est marié avec la petite Léa, Midrabanan. Son frère Réhouven, il était marié avec Rachel Midéoraïta. Réhouven décède, il n'a plus d'enfants. Donc maintenant, Rachel, elle attend, elle zkouka le hiboum, elle attend que Shimon lui fasse le hiboum. Or, Midéoraïta, c'est elle qui a proposé le hiboum, il doit lui faire le hiboum. Midrabanan, on considère que c'est la sœur de sa femme, donc il ne doit pas faire le hiboum, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, regardez, je pose tout de suite la problématique, parce que d'ailleurs, ça va être le dernier avis de la Mishnah, c'est que, quoi de grave? Il n'a qu'à faire la Khalitsa à Rachel, et comme ça, il la permet au Chouk. Bonne idée. Seulement, s'il fait la Khalitsa, il pourra plus rester marié avec sa femme. Parce que maintenant, s'il va faire sa Khalitsa, Rachel, elle va être considérée comme sa Khalutsa Midrabanan. Elle a le même statut que sa propre divorcée. Si elle a le statut que sa divorcée, de sa divorcée, il ne peut pas se marier avec sa petite sœur. Donc, il ne pourra plus rester marié avec Léa. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la solution déjà qu'on a éventuellement, c'est ce qu'on va voir maintenant sous trois aspects. Le dernier avis d'abord, c'est Rabbi Yeshua qui va nous dire, mon pauvre, oilo alishto, oilo aliyavimto. Il est bloqué le pauvre. Il ne peut se marier ni avec l'une, ni avec l'autre. Il fera la khalitsa l'une, il donnera le guetra à l'autre. Il reste trouvé, il avait deux femmes, il n'en a plus aucune, il devra aller chercher une nouvelle femme. Ouais, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshua, on le verra après dans les mots. Il y a maintenant les deux premiers avis, Rabbi Lézer et Rabban Gamliel. Tous deux reconnaissent qu'il y a une solution simple, et après il y a une petite marloquette, parce qu'il y a encore une autre solution. L'idéal en fait, c'est qu'on lui dise, écoute Shimon, renonce de toute façon à ta femme Léa, parce que de toute façon t'es bloqué, tu n'as aucun moyen de la permettre elle. Mais tu peux au moins lui demander à elle de faire le hiboum, de faire le mi'oun, de refuser le mariage rétroactivement. On va lui dire, regarde, en fait, je suis un mauvais mari. Il va lui dire, je suis ignoble, je suis pas... Comme ça, elle va refuser le mariage, elle va déraciner son mariage, et au moins, Shimon, il pourra se marier ensuite avec Rachel. Ce sera toujours ça de gagner. D'accord? En théorie, c'est ce qu'on pourrait faire. C'est d'ailleurs le conseil qui va nous dire, Rabbi Eliezer, regardez, Rabbi Eliezer au maire, Rabbi Eliezer me dit... Mais l'amener à Taktana chez Tema Enbo, on va apprendre, on va, en fait, comment dire, on va expliquer en fait à la petite que chez Tema Enbo, que ça vaut le coup, qu'elle vaut mieux pour elle qu'elle refuse le mariage, parce que de toute façon elle ne pourra plus se marier, c'est fini, elle pourra plus, elle n'a aucun moyen de rester avec lui, sauf si sa grande sœur elle meurt, mais franchement j'espère qu'elle ne lui souhaite pas ça. Donc du coup, elle a plus aucune solution, on va lui dire, refuse le mariage. Et comme ça, lorsqu'elle va refuser le mariage, eh bien, elle va déraciner ça rétroactivement, et Réhouven pourra en faire, ensuite faire le hiboum avec Rachel. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel, mais Rabban Gamliel dit non, on ne va pas l'inciter à refuser elle-même. On la laisse vivre, pour le moment, on les met en stand-by. Il n'a pas le droit de continuer à vivre avec sa petite, avec Shimon, il n'a plus le droit de rester. Pour le moment, vivre, avoir des rapports avec sa petite femme. D'accord? Mais il attend, parce que pour le moment, il est bloqué, il a réussi à être marié avec deux sœurs. Imaginez en fait, en théorie, si je pouvais vous présenter quelqu'un un peu comme ça. Imaginez que vous réussissez à donner des kiddushin à deux sœurs en même temps.
car impossible, parce que si vous êtes marié avec une, vous ne pouvez plus marier l'autre. Vous êtes marié avec l'autre, vous ne pouvez plus marier avec une. Vous avez fait un. Vous avez trouvé un système pour pouvoir marier les deux. Est-ce que vous pourriez partir avec une des deux sœurs? Vous ne pourriez pas. Pourquoi? Parce que peut-être c'est ta femme, elle. Donc c'est aussi la sœur de ta femme. Si c'est la sœur de ta femme, c'est une inceste. Donc tu peux te bloquer, tu ne peux partir avec aucune d'elles. C'est ce qui se passe ici. La petite, c'est ça. C'est la sœur de ça. Yevama. La grande, c'est la sœur de sa femme. Donc pour le moment, il est bloqué. On bloque tout, on gèle tout, on patiente. Qu'elle va grandir. Alors, et après, il me dit comme ça. Rabban Gamliel Omer, imméana. Si elle refuse elle-même, tant mieux. Mais moi, je n'incite pas à refuser. Veim lav, mais si elle ne veut pas refuser le mariage, alors j'ai une super solution. Tamtin, elle reste en stand-by pour le moment. Hachetagdil, jusqu'à qu'elle va grandir. Et entre parenthèses, c'est plus précisé, mais ça, c'est comme ça qu'il faut le rajouter. Et lorsqu'elle va grandir, Shimon va reprendre cette petite qui est devenue grande, qui est devenue adulte maintenant. Il va avoir un rapport avec elle, il va la réacquérir, et quand il va la réacquérir, il va déraciner, il va annuler la zika, le yiboum de sa belle-sœur, de Rachel. Ouais, parce qu'en fait, c'est une femme qui est skouka le yiboum, une femme qui attend que je lui fasse le yiboum. Si jamais je me marie avec sa sœur, les kiddushin sont aussi. Je me marie avec sa sœur, elle, je l'ai éjectée. Parce que maintenant, c'est devenu ma femme, et moi, je ne peux plus avoir de rapport avec ma belle-sœur. Donc maintenant, j'ai supprimé la misère de Yiboum à cause du Yissour. C'est le même principe, c'est ce qui me dit exactement Rabban Gamliel. Donc, on ne va pas l'inciter, et on va expliquer pourquoi il ne faut pas l'inciter. On n'incite pas à refuser. Si elle refuse d'elle-même, tant mieux. Et si elle ne refuse pas, patiente. Elle va grandir. Lorsqu'elle va grandir, maintenant, tu vas partir. Tu vas te remarier avec elle. Et comme ça, tu éjectes la grande sœur Rachel qui attendait que tu fasses le Yiboum. Elle n'aura plus de misère de Yiboum. Peut-être à la zone, mais Shumachotisha. Maintenant, quelle est la problématique de Rabban Gamliel qui refuse de l'inciter à refuser? C'est très simple. Il y a dans la Gemara qui nous explique sur ça que les olam mitrafer kadam mina mi'unin, il faut éviter de faire le mi'un pour la simple raison que, imaginez qu'on va l'inciter à refuser, et lorsqu'elle va devenir adulte, elle va réaliser, elle va me dire, mais vous m'avez arnaqué. Ce Shimon, il était extraordinaire comme mari. Vous m'avez incité, vous m'avez... Imaginez maintenant que sa sœur, maintenant, on va se retrouver dans une situation, en fait... Elle va regretter d'avoir refusé, et donc elle va, d'une certaine manière, refuser le refus. Et en fait, il va savoir qu'elle est encore mariée à l'autre, et que ça, c'est sa grande sœur, en fait, c'est son inceste. Ah, ça va faire un peu... D'accord? Dans la mesure où quelqu'un, il peut ensuite regretter son refus, donc ça va être un bon refus, on ne veut pas y avoir recours. Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Rabbi Yoshua Omer, oilo alishto, oilo alishat achiv. Non, il est bloqué, le pauvre. Malheur à lui, le pauvre, pauvre type pour sa femme, pauvre type pour sa belle-sœur. Parce qu'il n'a pas le choix de Motia Tishto Beget, il devra donner un guet à sa femme, à la petite. Shimon devra donner un guet à la petite, à Léa. Et en plus, après, Veshat Achiv Bechalitza, et il libérera ensuite sa grande sœur avec la Khalitza. Parce que maintenant, ouais, d'accord, il n'a aucun autre moyen, on ne peut pas l'inciter à refuser, on ne va pas attendre qu'elle refuse non plus. Donc, il faudra nécessairement lui donner le guet, et après, une fois qu'il aura donné le guet, de toute façon, il ne pourra même plus faire le hiboum à l'autre, parce que maintenant, c'est devenu Midera Banane, c'est devenu la sœur de sa femme divorcée, il ne pourra pas se marier avec elle. Donc Midera Ita résout le problème, fait quand même la Khalitza, mais il n'y aura plus jamais de hiboum sur ça. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salah.